go. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yes, sir. 1, 2, 3, 4, 5. Yes, sir. Mignon. Écoute. Direct. Switch key. Sinon, 3, 4, 4, 4. Poche quoi. 1, 2, poche. Allez, tourne le corps. 4, 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
Et chez nous ici, okay, quand on fait des combats amateurs, ça c'est des équipements qui sont obligatoires. Aujourd'hui, vu l'ampleur que prend le MMA, vu l'intérêt des jeunes pour le MMA, c'est parfaitement le sport du futur. Quand vous regardez dans notre salle par exemple, on a commencé il y a 2-3 mois, et on n'était que 5 ici ou 6. Okay, aujourd'hui, vous avez vu la salle, il y a à peu près 30. Nous pensons que c'est tout à fait okay, le sport futur, le sport de développement. Le MMA attire des personnes de tous horizons. Parce qu'elles ont l'habitude de le faire vite fait. C'est une technique de base, ok? Des étudiants, des businessmen, des garçons et des filles. Tire, tire, ça met à l'intérieur. Ok, tire, essaie de sortir. Soulève la tête, soulève les fesses. Super, Jojo. C'est bon, Jojo, vas-y, Jojo. Super, Jojo. Tu es MMA depuis combien de temps, ici? Presque 2 ans. 2 ans? Qu'est-ce qui vous a plu dans ce sport? Tout parce que c'est un mix mafia. Ah. Et que, en tant que fille, je n'ai pas vu beaucoup de films. C'est vrai que c'est rare. Hein. Oui. Peut-être c'est rare. Donc je me suis dit, pourquoi pas moi? Comment réagit ta famille, tes amis quand tu leur as dit que tu faisais ça? Un peu bizarre. Eux, ils disent que c'est un peu intense comme fille. Ouais. Faire cet sport et prendre beaucoup de temps. Sans avoir de protection. T'aimerais plus tard être une combattante professionnelle? Oui. Ah ouais? Valentina. Ah, Valentina Shevchenko, elle est forte. Oui. C'est bien d'être la seule fille. Ça te motive. D'un seul côté, ça te motive. Moi, je suis seule fille ici. Personne ne va me battre. Je vais me battre avec les garçons. Donc, si je serai face avec une fille, À côté d'Aïcha, un camarade d'entraînement et mentor, Saernian, 36 ans. C'est le meilleur combattant du club. Et aujourd'hui, il va être au centre de toutes les attentions. Le vendredi prochain, on organise un événement interclub. Il y aura Saïr et Hassan. Ils vont combattre avec d'autres adversaires qui sont dans d'autres clubs. Vous ne verrez rarement Saïr vous dire qu'il est blessé, même quand il est blessé. Vous verrez rarement Saïr vous dire qu'il est fatigué, même quand il l'est. D'accord ? Et à chaque fois qu'on appelle Saïr pour un combat, jusqu'en Gambie, ça fait 4 ans de suite qu'on va avec Saïr, okay, en Gambie, okay, pour les combats. Et pour tous ces combats, il les a gagnés en Gambie. Les Gambiens connaissent très bien Saïr. Et donc aujourd'hui, Saïr pour nous, c'est l'exemple parfait du MMA. Mais pratiquer le MMA, ça coûte cher. Entre les gants, la coquille et les protège-tibias, comptaient 70 000 francs CFA pour une tenue complète. Alors, pour financer sa passion, Saïr gagne sa vie en tant que plombier. Plombier, c'est mon métier. Je gagne de l'argent pour amener à la maison, mais mon passion normal, c'est le sport. Oui, moi j'aime le sport depuis que j'ai tout petit. Je veux réussir sur le combat MMA. Oui, je veux faire tout pour réussir sur le combat MMA. Ces sentiers-là me donnent un peu de l'argent pour pouvoir m'entraîner et aussi t'amener sur toute la maison. Oui, sinon, il n'y a rien quoi. Et depuis qu'on est entré dans la MMA, on fait des combats amateurs. Et des combats amateurs ici au Sénégal, ça ne paye pas. C'est toi qui donnes tout ton argent, qui prépare tout, hein, à part les gens qui t'ont aidé, comme mes frères, oui, et le président de mon club extra. Mais le combattant ne s'intéresse pas seulement à sa carrière. Il donne aussi des cours de MMA à une cinquantaine de jeunes de son quartier. J'ai presque 50 et quelques d'enfants c'est dans mon club. Mais souvent, ce n'est pas tout le monde qui paye. Ce n'est pas les 50 personnes qui payent. Saïr est connu pour sa générosité, ce qui fait l'admiration de son ami de toujours, Mamadou Diallo. Dans ce dojo, il y a des élèves qui ne peuvent pas payer. Il est venu s'entraîner. Il œuvre aussi dans le social. Il y a des élèves qui ne peuvent pas acheter de fournitures, il les aide à acheter. On l'encourage et on lui souhaite de réussir dans ses ambitions comme il aime les sports de combat, comme les MMA. Quartier d'Embao, à l'est de Dakar. Nous sommes chez Saïr. Deux fois par semaine, après sa journée de travail, il donne rendez-vous à ses élèves dans ce dojo, à ciel ouvert. Bon, à pied, bien.
3. C'est. 4. C'est. 1, 2, 2. 1, 2, 3. 1, 2, 4. Bon. 9. 10. 12. Quand on a su que les mémoires sont en train de se propager au Sénégal, on a pu se profiter là, grâce à Messeyer. Ce qui plaît à ces jeunes, c'est la variété des disciplines au sein d'un même sport. C'est son mélange de style du jiu-jitsu brésilien, du boxe, kickbox. Il y a tout dans les mémoires aussi. C'est un art spécialement merveilleux et extraordinaire. Ça, c'est aussi, j'aime ça. J'aime la douce, j'aime ce qui est doux dans la vie. Non, c'est pas bon. C'est pas bon. Deux, trois. Saher n'a pas beaucoup de moyens pour sa salle. Les quelques élèves qui payent donnent ce qu'ils peuvent. Mais ça ne l'empêche pas de dispenser un cours quasi militaire. C'est bon? Allez, on garde. C'est bon? Allez-y. Attaque contre attaque. Tibia, doucement, allez-y. Faites doucement, parce que vous n'avez pas de protection. Pas de coquille, ni de porteuse tibia, ni de paldon. Donc vous devez faire doucement. Hein? Surtout les bolokas, hein? Surtout les loki. Ils n'ont pas de protection, parce qu'on n'a pas des moyens. Oui. On n'a personne qui nous aide pour les matériels, pour on travaille, parce qu'on n'a pas de moyens pour avoir des tibias et des gants et extra, tout ça. Oui. Il y a un de mes amis qui est à l'Italie, c'est lui-même qui m'a donné ces prothèses-là avant-hier. C'est pour cela que j'ai des prothèses. Et pour donner vie à ce lieu, le professeur n'a pas hésité à mettre la main à la poche. Il a tout financé. Ici, c'est un ancien case de santé, inondé. On me l'a prêté, j'ai mis beaucoup de sable ici et beaucoup de ciment ici, rien que pour que les gens entraînent ici. Mais on aimerait avoir un salle normal, toit, tout ça extra, des matériels, tout. Mais notre objectif, c'est d'avoir un salle normal, quoi. La séance se déroule sous les yeux d'un habitué qui ne manque pas un seul entraînement. Robert Modoufal, le délégué de quartier. En ma qualité de délégué de quartier, j'ai fait le tout pour qu'il y ait cette salle-là. Voilà. Parce que je sais que c'est bénéfique pour la localité. Vu le chômage galopant, ce qui a poussé surtout les jeunes à faire de n'importe quoi. Parce que vu les agressions qui se déroulaient là, depuis qu'il a mis sa salle-là, ça a diminué. Il aide à canaliser la délinquance dans les quartiers. Oui, oui. Il est en train de faire de son mieux. Selon lui, Saher, avec ses cours de MMA, joue un rôle social essentiel. Ce soir, Saher doit aussi s'entraîner pour son prochain combat interclub. Plus que deux jours avant la rencontre. Tout le quartier est au courant et lui a réservé une surprise. Des chants au nom de leur champion. Pour le frère de Saher, Demba Ndiaye, ces chants ont leur importance. Ça, c'est une tradition. C'est des chansons qui motivent. C'est-à-dire, si vous comprenez le Wolof, c'est-à-dire, c'est des chansons qui vous font des frissons. Ça augmente votre force intérieure. Ça augmente votre capacité de révolte. Voilà. Malgré son rôle social évident, le MMA traîne sa mauvaise réputation de sport violent et dangereux. Voilà pourquoi de nombreuses fédérations sportives refusent d'autoriser sa pratique au niveau professionnel. Pour comprendre pourquoi, je me rends dans le quartier des affaires de Dakar, où travaille Pape Kane. Car en plus d'être coach de MMA, il est banquier d'affaires.
Mais au travail, il a toujours préféré rester discret sur sa passion pour ce nouveau sport de combat. C'est vrai que le week-end, je combattais, je me faisais un peu défoncer la tête. Le lundi, je costume cravate, je venais travailler avec le visage défiguré, le nez cassé ou bien... Une fois même, j'avais le doigt cassé et j'avais une attelle et c'est comme ça que je suis venu travailler. Mais bon, ce sont les entraînements. Point. Sans pour rentrer dans les détails. Aujourd'hui, Papkan a laissé de côté la compétition pour se concentrer sur son rêve. Former des champions internationaux 100% made in Africa. Mais dans son pays, comme dans d'autres en Afrique, le MMA professionnel reste illégal. Mon combat est contre l'ignorance du grand public pour le faire découvrir le mixed martial art dans ses plus beaux aspects. Il y a une tendance générationnelle. Aujourd'hui, les anciens, la plupart, sont contre le MMA d'une manière générale, parce que par ignorance, peut-être. Par contre, les nouveaux sont euphoriques sur le MMA. Donc vous voyez un peu, il y a une dichotomie même de cette chose-là. Il y a un manque de cohérence par rapport à la légalisation du MMA. Parce qu'on n'interdit pas la boxe, on n'interdit pas la lutte, on n'interdit pas les autres sports de combat. Et le MMA regroupe tous ces sports de combat. L'Afrique du Sud actuellement est très développée pour le mixed martial arts. Le Cameroun aussi. Par la force des choses, le mixed martial arts va rentrer au Sénégal, qu'on le veuille ou non. L'opportunité qui nous est offerte, on devra le saisir avec l'appui de tout le monde. Je dis bien tout le monde. Toutes les personnes aujourd'hui qui sont susceptibles d'apporter leur connaissance, d'apporter leur expertise dans le mixed martial arts, vous êtes le bienvenu. Retour dans le quartier d'Embao. Je retrouve Saher chez lui. Aujourd'hui, c'est le jour de combat. Mais il est confiant, c'est un habitué des compétitions d'arts martiaux. Kung Fu, boxe, samodo. C'est un sportif complet. Je ne suis pas un perdant, je suis un gagnant. Mmh. C'est ça mon but. Je ne pense pas perdre. Mmh. Oui, c'est ça mon but. Depuis que j'ai rentré sur les sports, ouais. Tous mes combats, ouais. J'ai 47 combats sur toutes les disciplines confondues. Sur toutes les disciplines, sauf MMA. MMA, ouais. J'ai 5 combats, d'accord. Ça c'est déclaré. Ouais. Mais j'ai 47 combats, mmh. Mais j'ai 5 défaites. Moi, mon rêve, c'est d'être un combattant. Mmh. Et je suis un combattant. D'accord. Mon rêve, c'est combat. Tous mes combats, ce sont des combats amateurs. Mmh. Oui, oui, j'ai fait des combats amateurs. Raconte-moi un petit peu l'histoire de tous ces trophées. Ça, c'est le trophée au Gambie, le dernier au Gambie. D'accord. Compétition internationale à Gambie, à MMA. D'accord. Oui, j'ai remporté mon combat. Le trophée-là fait partie de mes plus belles trophées. Parce que c'est mon premier combat à MMA. Quand j'ai gagné un combat, quand je retourne ici, parce qu'il y a tout le monde ici, et m'attendre en train de jubiler comme ça. Ce jour-là, ça me manque tellement. Ouais, oui. C'est pour cela que j'ai mis mes trophées derrière ma tête là, quoi. Ah, mais man, ça, c'est, oui, parce que je vis avec. Oui, je vis avec, parce que je vis avec ma famille, avec la quartier, avec tout le monde, oui, avec la communauté. Wow. C'est pour cela que eux, ils m'ont donné du confiance. Mais il faut y aller, l'heure du combat approche. Le quartier est en ébullition. Saher, c'est leur champion. Le combattant entame un rituel et brise quelques sacs de glace pour se porter chance et chasser les mauvais esprits. Même l'équipe de foot locale a interrompu son match pour venir supporter le combattant. Saher a fait affréter 2 bus pour emmener ses supporters. Et c'est tout le quartier qui se déplace pour lui. Entouré de ses frères, Saher s'engouffre dans une voiture. Direction le centre de Dakar. Quand on est sur la ring, on voit une autre personne. Parce que ce n'est plus Saher, quoi. Oui, c'est un lion qui parle. On va partir prendre ce qu'on veut prendre et le rapporter, Inch'Allah, Rabbi. C'est ça qu'on a prié pour que Dieu nous donne la force de pouvoir exercer ce qu'ils ont dans nos cœurs. Parce que Dieu, c'est le seul travail qui paye. Et
on sait que Dieu va nous donner la victoire. Parce qu'on a travaillé toute notre vie sur ça. Il n'y a pas de stress, il n'y a rien, quoi. On est comme ça, quoi. Et c'est un autre personnage que nous découvrons. Le combattant au grand cœur est passé en mode guerrier. Pape Khan, visage fermé, a quitté son travail plus tôt pour venir soutenir son champion. Face, un jeune combattant, Ababakar Sek. Saher le connaît bien, c'est son élève. Nous y sommes, le combat commence. Premier round, le combat est plutôt équilibré, mais les coachs sont inquiets. Projections hors du tatami sont de plus en plus violentes. À mesure que le combat s'intensifie, l'absence de cage se fait sentir et augmente les risques de blessures. Les rounds s'enchaînent. Les deux adversaires sont à bout de force. Vainqueur ne semble se détacher. Alors Saher donne tout. Chaque coup est un point compté par les arbitres. Le dernier round touche à sa fin. Saher et ses supporters sont confiants. Mais ce sont les arbitres qui décident du vainqueur.
l'élève a vaincu le maître. Dépité, Serre ne comprend pas sa défaite. Papkan, lui, reste fair play. On a des juges qui ont donné la victoire, mais c'est très bien. En bon coach, Papkan vient réconforter son combattant et faire le point. Comme vous vous connaissez, c'est tout à fait normal ton combat avec maître. D'accord ? Il n'y a pas de commentaire. Si. Vous vous entraînez dans la même salle, vous avez le même maître. C'est tout à fait normal. Carrément. Donc, il n'y a pas de victoire. D'accord ? Il n'y a pas de victoire. Parce qu'aujourd'hui, on va défendre les couleurs du Sénégal ensemble. On a fait ce qu'on pouvait faire. Exactement. On a préparé tout. Parfaitement. On venait jusqu'à maintenant. Oui, vous avez bien vu comment il a passé. Bah, on a c'est un on a combat fait tout extraordinaire. Ce qu'on doit faire. Merci beaucoup. Mais notre dieu est grand. Du courage. Voilà, merci. Allez, on va. Merci. Pour les vainqueurs de cette rencontre, aucune somme d'argent à gagner. Les sportifs sont ici par passion. Et pour les spectateurs, l'entrée est gratuite. Aux manettes de cet événement, il y a un homme, le fondateur de l'association MMA Sénégal, Maître Damsek. C'est lui qui a introduit le MMA ici en 2016. Il est le premier à avoir vu le potentiel de ce nouveau sport. C'est très spectaculaire. Là, ils ont la lutte, ils ont les coups de poing, ils ont les coups de pied, ils ont le combat au sol. Donc le spectacle est garanti et on a vu le résultat. Mais au Sénégal, l'arrivée de ce jeune art martial est loin de faire l'unanimité. Le monde de la lutte vu cette arrivée du MMA avec beaucoup d'appréhension. Et c'est ce qui a fait que nous avons eu beaucoup de blocages. Mais petit à petit, les gens commencent à comprendre. Et nous avons, de notre côté, changé la communication pour changer la mentalité des gens qui pensent que c'est un sport dangereux. Et vous voyez la réaction du public. Donc c'est une discipline aussi qui offre des possibilités, notamment aux jeunes déshérités, désœuvrés, qui sont dans la banlieue ou autres. Donc c'est une possibilité aussi pour les lutteurs qui ne luttent pas. Parce qu'en fait, on parle de lutteurs, mais des gens qui restent 4-5 ans, ils n'ont pas la possibilité de combattre, peuvent cesser au MMA ou bien s'entretenir au MMA avant d'avoir des combats. Ce combat a résumé aujourd'hui tout le problème du MMA au Sénégal. Manque d'infrastructure, manque de formation et derrière, il y a un engouement extraordinaire de tous les jeunes qui sont ici. Comme vous le voyez derrière moi, c'était un combat très serré. Donc, il devait minimum être soldé par un match nul. Donc, peut-être c'est ce sentiment de guerrier qu'il a animé. Il pensait qu'il allait terminer rapidement avec son adversaire. Mais vous voyez, le MMA, plus ton adversaire est petit, plus il peut être dangereux. Mais l'adversaire du MMA au Sénégal, lui, est immense. C'est la lutte. Car ici, c'est le sport numéro 1. Direction Kaolack, à 200 km de Dakar, au cœur du Sénégal. Ce soir, un grand événement de lutte est organisé. Un millier de spectateurs payants et pour le vainqueur, une prime de 1 million de francs CFA. Dans ce carré de sable, les sportifs s'affrontent selon les règles de la lutte avec frappe, appelé le lambe, très proche du MMA. Mais seule une poignée de ces combattants parvient à vivre de leur sport. Pour les autres, c'est la débrouille. C'est pour cela que certains ont fait le choix de se tourner vers le MMA. C'est le cas d'Adama Diop, un lutteur talentueux de 28 ans, tellement fort qu'aucun adversaire ne veut l'affronter. Est-ce que c'est à cause de ça que tu t'es mis au MMA pour avoir plus de chances de combattre? Parce que MMA est un sport. Visibilité, La plage de Grand Yoff, c'est le lieu de rendez-vous des lutteurs pour l'entraînement du soir.
Adama s'exerce aux côtés d'une grande star de lutte, Modulo, détenteur du titre de roi des arènes. Alors qu'est-ce que tu penses du MMA ? Ah, MMA est un sport bon là, on va suivre au Sénégal fi xam comme sport de quoi sport dal xam ba taxna dañ suivre MMA bu baax baax amna ci ay lutteur yu moy suivre bu baax baax mais sport bu neex dal parce que sport mix le lepp ñ ci ba taxna machallah ta mo ngi am gëna am doolé ñong koy suivre bu baax baax dal. Les sportifs de Grand Yoff ont donné un surnom à Adama. Blindé. Blindé, blindé. Invulnérable, il a tendance à épuiser ses partenaires d'entraînement. Tu es pas épuisé de faire du sparring avec Blindé là ? Beaucoup même. J'ai failli mourir. Hein. Beaucoup d'impact même. Et si tu n'es pas un lion, ne traîne jamais ici. Parce que j'ai que des lions ici. Mais le gros lion, c'est Blindé. Hein. À chaque séance, Blindé peut compter sur son ami Mohamed Yediou pour faire sa promotion. Ses vidéos font beaucoup de vues sur les réseaux sociaux. Mais celle-ci, Mohamed va attendre un peu avant de la poster. Je la poste pas tout de suite parce que je veux pas que son adversaire le voit. Ouais, faut que tu veux le protéger. Ouais, je veux le protéger. Peut-être le jour du combat, je vais le poster. Ce combat, ce sera son premier dans une ligue de MMA professionnelle. Alors ces temps-ci, il s'entraîne deux fois plus. Dans 4 jours, il affrontera son adversaire à Johannesburg, en Afrique du Sud, au sein de la plus prestigieuse ligue africaine, l'EFC. Là-bas, le MMA est légal depuis plus de 10 ans. En attendant son départ, Adama me propose de faire un tour dans son quartier des Parcelles Asseni, au nord de Dakar. C'est ça ton secret pour être si fort? Oui, regarde. Ah, on a le secret. C'est ici. Voilà. Merci. Je suis du coup, c'est de faire comme ça. D'accord. Ça, c'est pour avant l'entraînement ou après l'entraînement? Après l'entraînement. Ah. Si tu es dormir, tu es prêt. D'accord. Donc ça, c'est un petit encas. Mais en fait, toi, tu manges l'équivalent de 7 petits sacs comme ça le soir. 7, c'est pas mal, hein, ça fait... C'est pour une famille. Hein. Et dedans, il y a quoi? Du couscous et du lait caillé. Le lait caillé, c'est très, très bien. C'est plein de probiotiques. C'est bien, ça, pour la santé. Tu m'étonnes qu'il est en forme. Derrière le sportif souriant se cache une enfance difficile. Adama est orphelin de ses deux parents et c'est Khalifa Diao qui l'a accueilli comme son propre fils. Il est né en Côte d'Ivoire, bon, avec ses parents, mais lorsqu'il s'est retourné ici au Sénégal, ça n'a pas duré, son père est mort, ça n'a pas duré, sa maman est morte. Adama, c'est un enfant de la rue, mais donc c'est nous les voisins qui l'ont éduqué. Parce que ici, si tu es petit, on te garde dans la maison. Si tu sors, il y a les enfants qui sont dehors. Bon, lui seul, il partait dans la brousse faire la chasse avec ses amis. Mais depuis bas âge, c'est un guerrier. C'est le plus fort. Si tu n'es pas un guerrier, tu ne vas pas résister. C'est ce qui l'a poussé à faire la lutte, le boxe et tout, tout, tout. Lorsqu'il était petit, il n'avait pas la force. Lui, il pesait même pas 35 kilos. Mais tout ce qu'il a, il a eu à cause de son travail. Il s'est entraîné.
c'est pas la force naturelle quoi, parce que bon, il a bien travaillé pour avoir ça. Dama gis MMA gaay di MMA ma bëggon MMA xawma fu may jaar bon nit yi di may wax MMA chaque fois di def MMA chaque fois di def MMA chaque fois xawma fu may jaar ben jour ma dajje ak Bouba Diallo expliquer ko Bouba Diallo na ma amu problème amna ño xamanteni ñi ngi def MMA te yow ya leen ci ëpp cieur ba ma dugg ci MMA bi nonu quoi ñu tek ma ci ay loxo professionnel yo xamanteni ñoma yor parce que MMA mëno teup rek dugg ci waaw MMA mom man suma ci duggé limay viser moy dem on top ba fekk Francis Ngalou ci kaw fu mu nekk ma jëlé ko fa parce que lolu moma duggal ci MMA té lolu tamit lolu la gëm lolu tax moy son suba ngone di entraîner suba ngone parce que xamna né nekkul lu yom wa lolu tax suba ngone damay nekk sama entraînement gëm sama bop xamné dina fa yegg inshallah. Et justement, pour mettre toutes les chances de son côté, eh bien aujourd'hui, il a privatisé une salle, l'une des rares à avoir une cage à Dakar. Et justement, on m'a invité cordialement à partager cet entraînement avec eux. Son futur adversaire a plusieurs KO à son actif. C'est une pointure qu'Adama et ses coachs prennent très au sérieux. Alors pour être à la hauteur, Blindé doit aussi s'habituer à combattre dans l'environnement très confiné de la cage. Et au Sénégal, il n'y en a qu'une. Elle est au club de Mantis. C'est cet homme, Matarlo, qui a créé ce dojo flambant neuf à son retour du Canada. Là-bas, il a combattu dans une ligue professionnelle de MMA. En plus d'importer une cage, il a importé un savoir-faire. J'ai compétitionné au niveau novice, amateur jusqu'au professionnel, dans les plus grandes ligues du Canada et aux États-Unis. Moi, je suis un combattant de MMA, donc je sais ce qu'un futur combattant de MMA aura besoin. Donc on a besoin d'une cage, de bons tapis, de bons sacs et un bon coaching. Surtout des bons coachs. Oui, un bon coach. Mais nous, on est là pour former la prochaine génération. D'accord. On n'est pas là juste pour prendre les plus grands lutteurs ou les plus grands athlètes, mais nous, on peut former des athlètes de zéro. Et ces gens-là, ils seront des combattants purs des MMA, comme les environnements dans les pays occidentaux, quoi. Go! Go! Pour se préparer, Adama peut compter sur ses partenaires d'entraînement, tous des champions de boxe au Sénégal. Gasmir Diatta, 4 fois champion national. Et Mohamed Taf Sirba, champion d'Afrique. Adama, je pense que c'est un sportif motivant. Il aime ce qu'il fait et il croit aussi à ce qu'il fait. Je pense que s'il continue comme ça, il va dévaster beaucoup de monde. Donc on le souhaite tous bonne chance pour son combat qui nous amène la victoire. Quand je tourne avec lui, quand on fait des petits sparring, je sens qu'il y a un monstre King Kong devant moi. Je tape, c'est comme je tape dans une mire ou dans quelque chose qui ne se détruise pas, quoi. Personnellement, je pense que c'est un bon combattant, un peu farfelu de le dire. Il est un peu farfelu, mais c'est un excellent combattant, guerrier dans l'esprit et combattant dans l'âme. J'ai l'honneur d'être invité à partager quelques-unes de mes techniques de combat. Le MMA, c'est un univers en 4 dimensions. Il y a la partie striking, il y a la partie lutte en milieu de cage, le sol, mais il y a aussi la cage. La cage, c'est le meilleur ami du combattant, en fait. On peut s'en servir d'appui. Et donc là, on va travailler ça, parce que c'est un point qui est souvent très négligé. On va profiter de cet endroit, justement, pour travailler un petit peu cette partie-là, en fait, qui est très spécifique et qui peut faire une très grosse différence à haut niveau. Tu vas te mettre dans la cage. Donc le boxeur A, il va venir coller ici, dans la cage, la tête. Pourquoi je fais ça? Je veux le redresser vers le haut pour que, quand tu défends, on est d'accord qu'on a les jambes comme ça. L'idée, c'est que moi, je le remonte, hop, pour pouvoir attaquer les jambes. Donc, contrôle 1, ça. Contrôle 2, la tête. Dans la trachée, ça, c'est très désagréable. Contrôle 3, le poignet. Et si on veut se faire un petit luxe, le genou entre les jambes. Pourquoi le genou? Parce que là, je sors mes hanches. J'ai tout l'espace. Alors que s'il met le genou, vas-y, mets le genou, c'est beaucoup plus dur de sortir. Là, j'ai un barrage. Dès que je sens la main se poser sur ma hanche, faut tout de suite, dès que je sens ça, boum, je dois pas laisser cette main s'installer sur ma hanche. Je place la main sur l'épaule, en barrage, boum, et là, je me bats. Je prends le contrôle, la tête dans la gorge, voilà. Là, voilà. Et maintenant, tu mets tes genoux, tu... Voilà. Super. Et bien, tu vas le monter. Tu comprends? Et là, j'ai mon contrôle comme ça. Je viens chercher la ceinture, je tasse vers le bas et j'emmène au sol. Quand je tasse, boum. Le contrôle au niveau de la cage.
Mais si tu pousses te relever. Parce que moi, je compte plus sur la lutte. Pousse la tête, pousse la tête. Va. Pousse la tête. Pousse la tête. Pousse la tête. Voilà. Pousse la tête. Ali mo fi ñëk yëk mom moy graw rek dafa graw ko ba lo musta def ka def ko lolu dina am leneen lo xamantene benen ñu liggéey sa bi xel bi nekk lu yomb dal te yalla dimbali nañu ba légui tam nañu. Mais s'entraîner ne fait pas tout. Avant d'accéder au monde des pros, il faut investir beaucoup d'argent et ça commence par l'achat d'un billet d'avion pour Adama. Son coach Bouba Diallo, qui va faire le voyage avec lui, en sait quelque chose. Le billet d'avion en ce moment, il coûte 530 000. Donc deux billets, ça fait 1 000 000, 60 000. Donc c'est un sacré investissement. Plus, quand même. Plus tous les frais qui vont derrière, les tests Covid, les frais de visa et tout. On va se rapporter dans les 1 000 000, 1 300 000. Ah ouais. On va payer les billets de nos propres poches. Ah c'est vrai. Donc vous payez pour travailler en fait. On paye pour travailler. C'est fou. Hein. C'est comme si on était des amateurs, ce que je trouve pas normal du tout. Mais à mon humble avis, je pense que c'est un sacrifice à faire parce qu'il a les aptitudes qu'il faut pour aller très loin. Et pour cela, il faut qu'il commence par quelque chose. Autour d'Adama, de nombreux coachs de boxe anglaise, de boxe thaï, de jujitsu. Tous croient tellement en son potentiel qu'ils ont accepté de l'entraîner gratuitement. Tous les sacrifices qu'il a eu à faire, ça vaut quelque chose. Et c'est ces sacrifices qui l'amèneront demain à recevoir un cachet qui va le faire oublier ses débuts. Si il gagne en Afrique du Sud, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que ça va lui ouvrir comme porte? On a eu une proposition de... il n'était pas au courant, c'est ce matin que j'ai eu l'information qu'il signe pour 6 combats. Ah, super! Mais on a une bonne nouvelle, bravo! On n'a pas encore décidé sur ça, on va en discuter avec lui. 6 combats, d'accord, mais encore faut-il qu'il paye votre billet d'avion cette fois-ci. Wow, là, vous n'allez pas payer 6 fois. Ça, c'est fini. Ouais. Quel serait pour toi le scénario idéal en Afrique du Sud? Je ne sais pas, je vais me faire un yokatsi MMA. Je ne sais pas, je vais me faire un Porsche. Je ne sais pas, je vais me faire un billet d'avion. Je ne sais pas, je vais me faire un billet d'avion. Je suis pas fait bail, je suis un peu plus de temps, je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. C'est comme ça? Viens voir. Juste retour des choses, c'est au tour de Blindé de m'enseigner son savoir-faire de lutteur. Qu'il est contre le manin. Il est 4h du matin. C'est l'heure du départ pour Adama. Il va prendre l'avion pour la première fois de sa vie. Pourquoi tu t'es bien habillé comme ça? Ça veut dire que c'est un moment important pour toi? Oui, hein. Soit ça passe, soit ça casse. Dans 48 heures, Adama sera fixé sur son sort. On a mis une stratégie en place et il faudrait qu'on retravaille ça une fois là-bas. On va laisser le temps de reposer une journée et on va s'atteler à mettre les rouages en place pour que ça devienne une routine pour lui. Ce combat est très important pour lui du fait que c'est la première fois qu'il combat en MMA. Soit ça passe, soit ça casse. Psychologiquement, j'en sais quelque chose. Prendre des coups, ça fait monter de l'adrénaline et pour lui, ça peut l'amener très loin, très très loin. Après 15 heures de vol et une escale à Lomé, Adama et son coach Bouba arrivent enfin à Johannesburg. Hein? Pas le temps de se prélasser au bord de la piscine. Adama n'a qu'une hâte, découvrir la cage dans laquelle son destin va se jouer dans quelques heures.
famille est quoi là? Pendant ce temps, à 9000 km de là, dans les rues des parcelles assainies, l'heure est aux préparatifs. Car ce soir, c'est le grand soir. Le quartier est en ébullition. Avant le combat, toute la famille Diop et leurs voisins se réunissent chez Adama. L'adversaire de Blindé fait son entrée. C'est un Camerounais, Nico Yamdje, 1m83, surnommé le Lion. Ça y est, le combat peut commencer. Just keeping that left hand out there. In the red, Diop in the black. Here we go. Diop straight with the takedown. Woo! Hammer fist. It's a big right. It's carrying on to Diop. Oh, that's hurt. Nico Yamdje is out. What a knockout win by Damon Diop. Oh my goodness, just like that. Absolutely incredible. Welcome to the EFC Diop. En seulement 24 secondes, Adama met KO son adversaire. Du jamais vu à l'EFC pour une première apparition. Just pure power. Those punches. Send somebody else in there. Those punches were so short sized, but the power behind them was something else. Nico Yamdje est sous le choc. Il n'a pas vu venir les coups rapides du jeune Sénégalais. KO win over Nico Yamdje, something that hasn't happened in such a long time. Dans le public, Adama aperçoit l'actuel champion des poids lourds, le Congolais Matunga Chikasa. Il le défie ouvertement. Lui non plus n'en croit pas ses yeux. Ni lui, ni les commentateurs. A few follow-up shots, but good intervention by Norman Chirine, because Nico Yamdje was certainly out of the fight. Took a couple of shots here, they weren't landing that great. Nico was doing well to get back to his feet, but there we go. Those little short punches, but the amount of power in them. How do you create that kind of torque? You know, I'm not a physics expert, but you can see Nico just couldn't cope with him, and he was out for the count. Pure power. He just officially got on a lot of people's radar, put himself in a conversation here, but he just got on radars all around the world with a performance like that. Let's send it up to Hotso Villaromopo to make it all official. Ladies and gentlemen, referee Norman Chirine has called a stop to this contest at 24 seconds of the very first round, declaring your winner by knockout and recording his very first EFC win, Adama Blindé Diop. Le père d'Adama n'est pas étonné par la victoire éclair de son fils adoptif. Moi, ça ne m'a pas surpris, ça m'a pas surpris. Il s'est battu à bas âge, lorsqu'il avait 2 ans. De 2 ans jusqu'à 25 ans, il est dans le terrain. Mais donc, bon, c'est pas ce petit Camerounais-là qui va nous retarder dans notre chemin, tu vois, non? Quatre heures après son combat, Adama est de retour parmi les siens. Et la ferveur est loin d'être retombée.
pari gagné pour tous ceux qui ont cru en cet homme. À la suite de son combat, Adama s'est d'ores et déjà vu proposer d'autres rencontres au sein de l'UFC, mais aussi à l'international. Parti de rien, Blindé a gagné son ticket pour la Cour des Grands. Impatient d'écrire un nouveau chapitre de la fierté africaine.